Formation tous azimuts autour du processus électoral. Les députés du CNT, membres de la Commission des affaires institutionnelles, de la gouvernance et des droits humains, sont concernés par cette rencontre. À son agenda, l'organisation, la supervision, le dépouillement et la proclamation des résultats des votes. Formation initiée par la CENI, le CNT et le PNUD. Abdoul Asmane Zongo prête sa voix à Mounir Akéré. L'organisation et la supervision des élections, le dépouillement des votes, la proclamation des résultats, c'est le contenu de cette formation. Une session initiée à l'attention des députés du Conseil national de la transition en vue de les amener à s'approprier le processus électoral. Il s'agit d'outiller l'ensemble des députés à un certain nombre d'éléments fondamentaux, notamment l'organisation des élections, notamment la conduite, notamment l'observation, notamment le rôle des médias, autant de modules qui vont être abordés et qui vont permettre donc aux députés de bien aborder leur rôle dans le cadre des élections à venir. Cet atelier de 72 heures est organisé avec l'appui financier du PNUD. Le Conseil national de transition, on attend qu'il puisse accompagner cette dernière étape du processus électoral par leurs avis, leurs conseils, pour que les élections puissent se passer de manière apaisée. Le Conseil national de transition soit lui-même informé des règles de base qui régissent les élections pour pouvoir être à même de voter ces lois. Au sorti de cette formation, ces acteurs en charge de la transition devaient être plus aptes à apporter leur contribution à la tenue d'élections libres et transparentes en octobre prochain.